dans mon avant-dernière vidéo, j'ai réussi à prouver que lorsque Gueugui apparaissait dans Minecraft, il apparaissait aussi dans la vraie vie, dans mon appartement. J'ai en effet placé une caméra devant la porte de mon appartement pour vous montrer que lorsque Gueugui apparaissait dans Minecraft, il se passait aussi des choses dans la vraie vie. Aujourd'hui, on va pousser le concept beaucoup plus loin. En effet, au lieu d'avoir une seule caméra sur ma cage d'escalier, j'aurai plusieurs caméras partout dans mon appartement. Toutes ces caméras seront reliées à mon Minecraft et je pourrai les consulter en direct sur Minecraft. Ce qui fait qu'au moindre moment où il va se passer quelque chose de paranormal, je serai au courant en direct, je prendrai mon iPhone pour aller vous filmer ce qui est en train de se passer. Mon but aujourd'hui, c'est de voir Huggy Wuggy de mes propres yeux. Donc c'est parti, je vous emmène voir où sont mes caméras. Donc ça les gars, c'est la caméra numéro 1. Elle est située comme la dernière fois vers la cage d'escalier. Voilà, caméra numéro 1 et elle filme en direct. Voici la caméra 2, elle filme mon couloir. Donc voilà, la caméra 2, elle va filmer en direct ce couloir avec beaucoup de portes. Déjà tout le long ici, nous avons plein de portes de placards. Et au fond, nous avons 3 portes. Regardez-les, voilà, nous avons 3 portes au fond. Plus une porte ici, voilà, sur le côté, mais on la voit pas dans le champ. Mais voilà, je trouve que c'est un emplacement stratégique puisqu'on va peut-être pouvoir voir pas mal de choses dans ce couloir. Notamment des portes qui s'ouvrent ou des trucs comme ça. Bref, maintenant que la caméra 2 est placée, je vais vous montrer ce que ça donne sur Minecraft. Les abonnés, on se retrouve sur Minecraft. J'ai reçu le nouveau système de caméra par colis de la poste. Toutes les nouvelles caméras, elles sont dans ces colis. Puisque oui, nous avions déjà un système de caméra, regardez-le. Le problème, c'est que je trouvais que les caméras n'étaient pas assez bien. En fait, le souci, c'est que j'étais obligé d'aller dans ma chambre pour consulter mon ordinateur et consulter les caméras. Regardez, il y a des caméras un petit peu partout dans la maison. Mais le problème, c'est que j'étais obligé d'aller sur ce PC. Voilà, j'étais obligé de m'installer là et de regarder ce PC pour voir les caméras. Alors qu'en fait, moi, je veux un système un petit peu plus moderne qui me permette de consulter les caméras en temps réel via une tablette que je peux transporter un petit peu partout. Comme ça, je peux voir en temps réel où est-ce que se trouve Huggy Wuggy. Du coup, les abonnés, lorsqu'on va installer toutes les nouvelles caméras et qu'on va prendre la tablette pour voir l'ensemble des caméras, et bien sur cette tablette, les caméras dans la vraie vie, dans mon appartement, seront reliées à la tablette. Ça veut dire que voilà, j'ouvrirai la tablette sur Minecraft et on verra les caméras en direct de mon appartement. Et évidemment, aussi toutes les nouvelles caméras qu'on aura placées dans la villa Minecraft. Enfin bref, ça va être incroyable. Franchement, j'ai trop hâte de vous montrer ça. Juste avant, regardez ce qui est écrit sur toutes ces télés. Il y a des télés partout d'abonnement. Voilà, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Diabolo, il y a mieux, il y a mieux. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi comme mieux? Attends, vas-y. Regarde, vas-y, regarde. Montre-moi. Vas-y, vas-y, regarde. Vas-y. Tu vois, c'est la poupée de Red Huggy Wuggy. Ouais, c'est Red Huggy Wuggy, ouais, effectivement. Donc, je vais l'activer et écoute. Vas-y, vas-y. Wesh, c'est Red Huggy Wuggy. What? Si vous vous abonnez pas à Diabolo, je vais chez vous à 3h du matin. Mais n'oubliez pas de liker. Mais c'est incroyable. Mais c'est mais comment t'as fait? Ah, c'est incroyable. J'ai programmé. Ah, mais masterclass de monsieur YouTube. Ah ouais, bon, abonnez-vous, sinon Red Huggy Wuggy va débarquer chez vous à 3h du matin. Qu'est-ce qu'il y a, Léo? Je vais te faire un truc par rapport à ça. Vas-y, dis-moi. Tu te souviens de cette potion-là? Ah mais vous avez tous préparé un truc pour l'abonnement aujourd'hui. En même temps, les abonnés, ils restent seulement 1000 abonnés et on sera aux 900 000. Du coup, voilà, abonnez-vous en masse sur cette vidéo pour atteindre les 900 000. Ça va être incroyable. Vas-y, si on passe les 900 000 sur cette vidéo, je veux un maximum de commentaires. GG et tout, genre bravo à nous tous pour les 900 000, tout ça, tout ça. Vas-y, alors du coup, ça, c'est la potion anti-Diabolo V35. Effectivement, c'est la potion que tu m'as filée dans le dernier épisode. Oui, oui. Et par rapport à ça, regarde ce que j'ai trouvé. Vas-y, c'est quoi? Potion anti-non-abonné. Bon, il y a plein de fautes. C'est toi, Léo. C'est pas grave. Mais effectivement, bonne initiative. Abonnez-vous, activez un maximum la cloche de notification pour atteindre les 900 000 et ne rien louper, surtout des prochains épisodes qui vont arriver. Bon, du coup, les abonnés, on va regarder à l'intérieur de ces colis. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Booba? Regarde l'œuvre d'art. C'est quoi? Abby? Attends, quoi? Non, c'est de l'autre côté, j'ai pas fini. Attends, on voit bien que ça a été fait par Booba. Attends, mais ça veut dire quoi? Abonne-toi. Abonne-toi. Ah oui, ok, bon, ouais, ça va être un petit peu long. Vas-y, je te laisse faire ça le temps que je montre tout simplement aux abonnés qu'il y a à l'intérieur de ces colis. Ouais, je sais qui avait placé un piège de l'autre côté là. Waouh, vous êtes sérieux? Je suis coincé dans une cage. Je peux même pas montrer l'intérieur des colis. Bon, allez, sortez-moi de cette cage là. Sortez-moi de cette cage. Non, mais sinon, sérieux, attendez, les abonnés, on va sortir de la cage. C'est bon, les abonnés, je suis sorti et je vais pouvoir enfin vous montrer le contenu de ces caisses. Voilà, alors nous avons ici un taser. Bon, voilà, c'est un petit taser. Voilà, ça envoie une bonne décharge, tu vois. Donc ça, ce sera pour se défendre au cas où si Huggy Wuggy arrive dans notre maison, mais cette fois-ci sur Minecraft. Pas dans mon appartement, dans mon appartement, vraiment, ce sera à main nue. Ici, nous avons le caméra monitor. C'est la tablette dont je vous parlais tout à l'heure. Et ici, nous avons les caméras. Voilà, on a 20 security caméras. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi vous avez protégé la maison comme ça? Non, mais enlevez-moi ça. Enlevez-moi ça. Enlevez. Allez, vous m'enlevez tout ça et on va rentrer à la maison. C'est bon, attends, mais c'est quoi? C'est...
Ok, ça fait rien. Ok. Mais non, mais allez, allez, faut casser ça. Oui, regarde, tu veux entrer par la maison ? Monte dessus. Attends, c'est non, quoi ? Non, Diabolo, regarde. Attends. Ah oui, c'est vrai. C'est les blocs d'imitation là. C'est cool, viens voir. On va rentrer par le balcon. Est-ce que je vais réussir ? Est-ce que je vais réussir ? Non, 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 non. Oui, non, j'étais à deux doigts de réussir. Vas-y, vas-y. Vas-y, remets-en un autre. Attends, on peut pas le mettre. On peut pas, on peut pas. Ah, de toute façon, je crois qu'ils ont. C'est bon, ils ont réouvert en bas. Eh, mais wesh. Réouvrir, réouvrir, réouvrir. Allez, c'est bon. Je suis à l'intérieur. On va réouvrir. Réouvrir la porte. Réouvrir la porte. On va installer toutes les caméras. C'est bon. On va installer toutes les caméras. Vous allez voir, ça va vraiment être incroyable. Qu'est-ce qu'il y a, Cobaye ? Arrête de crier, s'il te plaît. Mais non, mais je peux pas redescendre. J'arrive pas à descendre. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Je sais pas, je l'évite. Ah, mais ça m'est déjà arrivé en fait. Ah, il a un petit problème, je crois. Bon, les abonnés, du coup. Ce qu'on va faire dès maintenant, c'est qu'on va installer toutes les nouvelles caméras. Et je vais pouvoir vous montrer, une fois que les caméras seront installées, et bien simplement que ce moniteur, voilà, simplement cette petite tablette, va permettre de regarder les caméras dans mon appartement, dans la vraie vie. Ça va être incroyable. Ce qui fait qu'en gros, on pourra switcher sur les caméras dans la vraie vie et sur les caméras dans Minecraft. C'est bon, vous pouvez retirer toutes les télés d'abonnement là. Comme ça, on va pouvoir mettre tout simplement bien les petites caméras. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer toutes ces caméras là à l'ancienne. On va toutes les enlever, voilà. On va toutes les enlever et les remplacer par des caméras, voilà, les nouvelles caméras. Du coup, les abonnés, je place une des nouvelles caméras. C'est bon, regardez. Et là, ce qu'on va faire, voilà, on va la relier au moniteur. Du coup, nous avons trois caméras actuellement reliées au moniteur, à la petite tablette en gros. Nous avons les deux caméras positionnées dans mon appartement, dans la vraie vie. Et cette caméra là, regardez, je vais vous montrer. On ouvre ça, donc là on passe à la première caméra. Regardez, nous sommes dans ma cage d'escalier. Alors déjà, on peut observer. Pour l'instant, il se passe rien d'étrange. On observe un petit peu. Bon, pour l'instant, il se passe vraiment rien d'étrange. On réouvre et on va sur la deuxième caméra qui est dans mon couloir. Voilà, deuxième caméra. Dans mon couloir, il se passe absolument rien d'étrange pour l'instant non plus. On observe un petit peu. On observera tout simplement un peu plus longtemps au fur et à mesure de cette vidéo. Là pour l'instant, voilà, on est au tout début de cette vidéo. On n'a même pas invoqué Guiwegi. Donc bon, pour l'instant, il risque de pas se passer grand chose. On switch sur la troisième caméra. Voilà, nous sommes la caméra tout simplement que j'ai placée tout à l'heure dans Minecraft cette fois-ci. Voilà, ça c'est impressionnant. Voilà, je peux déplacer un petit peu la caméra. Je peux voir ce qui est en train de se passer. Et je vois que Léo, regardez, il est en train de faire une tour de terre. Donc voilà, petite caméra bien stylée. Donc voilà, on voit plutôt bien. D'ailleurs, on peut aussi la mettre en vision nocturne, les abonnés. Mais pour l'instant, il n'y a pas besoin, voilà, puisque c'est pas la nuit. Mais lorsque la nuit va commencer et qu'on va invoquer Huggy Wuggy, évidemment, à ce moment-là, on activera le mode nocturne. Je pense que ça pourrait être extrêmement stylé. Bref, du coup, les abonnés, j'arrête d'être dans les caméras, voilà, avec la tablette. Là, cette fois-ci, on va placer toutes les caméras à différents endroits de la maison. Du coup, voilà, on va les positionner déjà à chaque fois à des endroits. Il y avait une caméra à l'ancienne avant, voilà, comme ça. Tac, voilà, on a une caméra ici. Ensuite, du coup, salut, on va en mettre une autre en bas, voilà. On avait une bonne caméra la dernière fois, franchement elle était plutôt utile ici. On va la placer ici. D'ailleurs, on va mettre des caméras aussi à l'extérieur. Je pense qu'on va mettre des caméras aussi à l'extérieur. Ouais, on va mettre des caméras et tout. Voilà, alors ici on va en mettre une dans le salon. Je pense que ça peut être pas mal ici. Diabolo, j'ai une question. Ici, voilà. Comme ça, il y a un visuel dans la cuisine. Tout une ça, question, Diabolo. Ouais, qu'est-ce qu'il y a, monsieur YouTube? Wow! Est-ce qu'on peut dire que, j'ai chopé la grosse tête? Salut à nous, c'est Bobby la menace. Mais what? Noté sur 10, noté sur 10 ma blague aussi. Oui, bon. Allez, let's go. Bon, en vrai, c'était pas mal, c'était pas mal. Du coup, petite caméra à l'extérieur de la maison. Voilà, une ici. Et une de l'autre côté, on va mettre un peu plus haut. Avec ce genre de caméra, genre, voilà, on peut filmer des vidéos YouTube okay, à la franchement, niche cuisine. On a pas mal de caméras. Là, c'est vraiment stylé. Oh le vent! Let's go, let's go, let's go. Ouais, j'avoue. J'ai entendu, mais attends, j'ai pas besoin de relever, c'était un peu nul. Hein. Wow, pourquoi il y a une alarme ici? Il y a une petite alarme ici. On va mettre une caméra du coup à l'extérieur de la piscine, les abonnés. Voilà. On va tous mourir! Stop, enlevez l'alarme là. La caméra, l'alarme. Bah, il était gros. Bref, du coup, les abonnés, vraiment, on va mettre des caméras partout. Ce qui va être très très cool, c'est que ça va être Five Nights at Freddy's, mais dans la vraie vie. Voilà, dans la vraie vie et dans Minecraft. En gros, on aura des caméras dans Minecraft, mais aussi dans la vraie vie. D'ailleurs, les abonnés, si vous voulez un deuxième épisode, parce que Huggy Wuggy, on va peut-être pas forcément le voir encore une fois dans cet épisode. On a réussi à le voir dans le dernier épisode, mais je pense qu'on a eu beaucoup de chance. Est-ce qu'on le verra aujourd'hui dans cet épisode? Oui. Je sais pas. J'espère le voir. Moi, franchement, j'espère vraiment beaucoup le voir dans cet épisode. Il y a moyen, franchement il y a grave moyen. Le truc c'est que voilà, si vous voulez un deuxième épisode où on essaie vraiment, tu vois, de le voir encore une fois, d'essayer d'aller le capturer, etc. Si on n'arrive pas dans cette vidéo, bien mettez un gros pouce bleu sur cette vidéo, puisqu'à 10 000 pouces bleus sur cette vidéo, je referai un nouvel épisode. Simplement voilà, on est encore plus, voilà, en train de positionner plus de caméras encore dans la vraie vie, etc. Tout simplement dans mon appartement. Je mettrai carrément une caméra dans ma chambre, dans ma cuisine, etc. Vraiment, ce sera fallu mais dans la vraie vie. Eh, vous faites quoi dans ma chambre là? Eh, mais pourquoi vous avez bouché là à la sortie là? Comment ma chambre enfermée! Eh, vous êtes insupportable dans cette vidéo hein! Mais c'est pas faire ce que je veux faire hein! C'est insupportable! Diabolo, est-ce que,
est-ce que comme ça tu peux m'appeler YouTube Kids? What? Pourquoi? J'ai pas compris la blague là. Ah, regarde-moi. Tu sais, tu peux m'appeler YouTube Kids comme ça. Ouais, je t'ai vu, mais je comprends toujours pas la blague. Bon, let's go. Ici, on va mettre du coup une caméra. Let's go. J'ai pas compris ta blague. Explique, monsieur YouTube, ta blague parce que bon, là, j'ai vraiment pas compris. Fais des blagues de 2010. Bah, c'est parce que j'ai rétréci, du coup, je suis un nain, du coup, bah, c'est YouTube Kids. Ah, ok. Bon, elle est 2010. Retenez là. Retenez 2010, je crois, ils vous attaquent. Ils vous attaquent. Moi, je parle pas des 2010, hein. Soutien à vous, les 2010. Allez, let's go. Je choisis une caméra ici. Ok, du coup, là, les abonnés. Je pense que j'ai pas mal de caméras. Je sais. Attendez, je finis de placer les caméras. Une caméra dans le cinéma, voilà. Et ensuite, une fois que toutes les caméras seront placées, les abonnés, regardez, il y en a une autre ici. Eh bien, on va pouvoir commencer Five Nights at Freddy's dans la vraie vie. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que Monsieur YouTube va placer la poupée de Huggy Wuggy simplement dans la maison, ce qui va attirer Huggy Wuggy, et bien tout simplement dans Minecraft, mais aussi dans la vraie vie. Du coup, là, je pense qu'on a pas mal de caméras. Je suis en train de chercher où est-ce qu'on pourrait en mettre d'autres. J'arrête de crier, on va en mettre là-bas aussi. Attendez, on va mettre une ici. Du coup, Diabolo, je vais aller chercher la poupée de Huggy Wuggy dans la 2F. Je reviens. Vas-y. Je mets une caméra ici. ADF, la mondiale. Je remets une caméra ici. Voilà. Salut le mouton. Et la dernière caméra qu'on va placer, ou alors on va peut-être encore en placer. Voilà, il en reste 4. On va en placer une dans simplement la chambre de Jérôme. Une autre ici. Il nous en reste 2 à placer. Du coup, on va pouvoir en placer sur les côtés de la maison. Voilà, une ici. Papa, il va mettre une caméra dans du pistolet. Et une dans la grotte. Tiens, on va mettre dans la grotte. On va en mettre une dans la grotte, les abonnés. Ça, c'est plutôt une bonne idée en vrai de vrai. Diabolo, du coup, je libère Huggy Wuggy de la 2F ou pas? Non, tu vas mettre la poupée. Tu vas mettre la poupée. Mais oui, ils sont dans la DF. Mais du coup, ouais, tu vas libérer de la DF. Voilà, attends, je vais remettre la caméra ici. Peut-être la mettre mieux. Non, remarque ici, attendez, faudrait que je check. Oh non, les abonnés, faut que je relie chaque caméra. Ok, c'est bon, celle-ci est reliée. Bon, les abonnés, je vais faire tout ça en off parce qu'il y a trop de caméras reliées. J'ai oublié de toutes les relier. Bon, je vais faire ça, mais regardez, du coup, la caméra 4. On voit bien quand même, regardez, on voit bien simplement l'intérieur de la grotte, c'est pas mal. Ouais, franchement, ça va, c'est pas mal. C'est bon, les abonnés, toutes les caméras sont reliées à ma tablette. Alors, on a Cardi qui est parti, voilà, pour faire un petit shooting photo. C'est qui, Cardi? Ouais, j'étais sérieux, quoi. Cardi, c'est le doudou fille, quoi. Bref, du coup, voilà, toutes les caméras sont reliées à ma tablette. Regardez, c'est incroyable. On va sur la caméra 9, par exemple, on est ici. On peut aller sur la caméra 5, on est ici. Caméra, je sais pas, genre 15, voilà, on est dans le grenier. Voilà, toutes les caméras sont reliées à ma tablette. Ouais. Absolument toutes les caméras que j'ai placé dans Minecraft, évidemment. Regardez, on peut aller sur la caméra 1 et voilà, nous sommes dans mon appartement en direct. Là, c'est la cage d'escalier. En l'occurrence, du coup, c'est pas dans mon appartement, ça c'est devant mon appartement. Du coup, il va être temps de libérer Huggy Wuggy et Kissimissi, puisque effectivement, on les a capturés dans le dernier épisode et on a fait des expériences dessus. Bon, c'était dans Minecraft. En parlant de ça, Diabolo, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Bah, il y a un problème là, je suis allé dans la 2F et plus sérieusement, bah, ils y sont plus. Il y a plus Huggy Wuggy ni Kissimissi. Attends, tu veux dire, comment c'est possible qu'ils sont échappés des cuves? Bizarrement. Enfin, je suis allé dans le dossier de l'ordinateur et ils ont été libérés de l'extérieur. Donc ils ont été libérés par quelqu'un. C'est toi, c'est toi. Bon, c'est très bizarre cette situation, mais c'est pas une vidéo enquête aujourd'hui. C'est une vidéo dans laquelle on va essayer de capturer Huggy Wuggy dans la vraie vie et dans Minecraft. Du coup, les abonnés, ce qu'on va faire, c'est que regardez, le ciel est en train de se coucher. Donc monsieur YouTube, tu vas venir et on va essayer d'attirer Huggy Wuggy simplement avec la poupée. Ouais, qu'est-ce qu'il y a, monsieur YouTube? Ouais, j'ai la poupée, bah du coup, je disais je l'ai, mais forcément, je le répète encore, il y a une taupe parmi nous. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Mais on enquêtera ça dans les prochains épisodes. Les abonnés, justement, ce sera l'occasion. Je vais la poser en haut des escaliers. Vas-y, mais pose-la d'ailleurs, là. Je l'ai un peu programmé, va dire quelque chose d'important. Ok, vas-y. Bon, attends, je l'active. Écoute. Vas-y, active-la. Wesh, je suis le meilleur pote à monsieur YouTube. Il va m'invoquer pour la soirée. Wouah. C'est trop bizarre. Bon, les abonnés, la poupée est placée. Qu'est-ce qu'il y a, Léo? Qu'est-ce qu'il y a encore? Je veux voir que t'es intelligent. Allez, le ciel va se coucher. What? Qu'est-ce qu'il raconte? Ouais, j'ai pas compris. Il est bourré. Oui, bon, il est bizarre. T'as raison, moi. Oui, non, c'est bon. Allez, arrête de parler, tu nous fais perdre du temps. Les abonnés, du coup, on va consulter simplement la tablette avec les caméras qui sont reliées, du coup, à la tablette. On va commencer, du coup, par celle de mon appartement. Voilà, donc là, la poupée a été posée. Donc là, c'est parti, let's go. Je consulte la première caméra. Ok, je suis, du coup, dans ma cage d'escalier. Ok, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, les abonnés, dans ma cage d'escalier. Juste la lumière qui s'éteint et qui se rallume. Mais ça, on avait déjà eu ça. Et ça arrive parfois carrément quand je joue pas à Minecraft avec Huggy Wuggy. On va passer du coup à mon couloir. Let's go. Ok. Ok, les abonnés, je regarde ce qui se passe dans mon couloir. Wow. Les abonnés, le placard, regardez, le placard au fond à gauche, il vient de s'ouvrir. Ok, les abonnés, ça c'est extrêmement inquiétant, les abonnés. Je vais aller checker dans la vraie vie ce qui vient de se passer. Ok, les abonnés, j'y vais au plus vite. Il faut que j'arrive à capturer. Si c'est Huggy dans le placard, il faut que j'arrive à le voir dans la vraie vie. J'arrive, les abonnés, je prends mon iPhone évidemment pour filmer. Et je vais vous filmer ça. J'arrive dans un instant, les abonnés, avec mon iPhone. Let's go.
Ok les abonnés, j'arrive dans mon couloir. Vous avez vu ce qui s'est passé? Je vais aller checker tout simplement. Voilà, la porte est ouverte, cette porte de placard là. On va aller voir s'il y a quelque chose à l'intérieur de mon placard. C'est extrêmement flippant les abonnés. Ok, ok, alors en plus, regardez, ici il y a une clé. Je suis persuadé que c'était fermé à clé. Ok, il n'y a rien, regardez là. Ok les abonnés, il n'y a rien non plus. Ok, très 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 étrange. Je vais fermer de nouveau cette porte à clé. Voilà. Et on va voir s'il se passe quelque chose de nouveau. Les abonnés, je suis de retour devant mon PC, mais je suis extrêmement inquiet. Premier fait un petit peu paranormal dans mon appartement depuis qu'on a posé la poupée de Huggy Wuggy. Franchement, vous avez vu, hein, tout autant que moi les abonnés, vous l'avez vu. Le placard s'est ouvert. Je pensais l'avoir fermé à clé. Alors pour l'instant, voilà, on n'exclut pas le fait qu'il peut y avoir un courant d'air, même si je sais pas d'où l'air peut venir. Le placard, c'est quand même... En vrai, ça fait flipper. Hein. Waouh, les abonnés, je sais pas si il faut que je continue ce genre de vidéo. Mais en vrai, si. ça En fait, genre je vous dis les abonnés, ça me fait flipper, mais en même temps ça me fait tellement d'adrénaline, genre franchement je kiffe trop. Mais en même temps je sais pas, c'est peut-être un peu dangereux, on verra. Les abonnés en tout cas voilà, on a Koba voilà qui est de retour, je crois que tout à l'heure il était reparti. What? Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Wouah, bizarre. Les abonnés, du coup voilà. Du coup là on va continuer de checker les caméras. Alors venez, venez au pire, au lieu de rester dans l'entrée, parce que Huggy Wuggy, peut-être s'il vous voit tous dans l'entrée, il va peut-être pas oser venir. Peut-être allez tous dans vos chambres et comme ça, bon, moi j'ai checké les caméras. Ouais. Du coup bah comment dire, Booba il s'est sacrifié pour en faire apparaître Huggy Wuggy. Quoi? Mais qu'est-ce que vous... Non, je rigole, Booba, je rigole, il est juste parti. Ah ok ok ok, ça marche. Bon du coup voilà, restez ici. Enfin non, allez dans vos chambres plutôt. On va laisser tout simplement champ libre de la maison pour peut-être que Huggy Wuggy vienne simplement. Je veux vraiment que j'aille dans ma grotte. Mais c'est ultra loin, j'ai la flemme. Non, va dans une chambre. Prends une chambre par exemple. Léo, tu vas dans ta okay, chambre. Ok, je vais dans la tienne. Monsieur YouTube, tu vas dans ta chambre. Vas-y, va dans ma chambre si tu veux. Tu veux faire une partie de Minecraft là avec moi en haut sur mon PC? Non non non, on va checker les caméras. Du coup les abonnés, c'est parti, on va commencer à checker, okay, les caméras. Checker les caméras à l'intérieur, tout simplement voilà, de ma chambre. Donc voilà, je vais prendre la tablette aussi. La tablette. Les autres, vous êtes où? Allez, bon, au pire tout le monde venez dans ma chambre. Venez tous dans ma chambre. On va checker simplement les rushs. C'est moi qui veux venir m'attaquer. Les rushs, les directs sur ma tablette. Tablette vite fait pour que je regarde. Vas-y, je t'affile vite fait. Vas-y, commence à regarder. Du coup les abonnés, c'est parti. On va commencer à regarder simplement sur la tablette. Refile la vite fait. Vas-y, parfait. Je l'ai dupliqué avec un petit rituel. Let's go. Du coup, on va commencer à regarder. Alors, ici c'est pas forcément ma meilleure caméra. Ok, là ici on a une caméra. Quoi qu'on voit pas grand chose sur celle-ci. Ici elle est un petit peu mieux. Voilà, on a le hall d'entrée. Je vais mettre la night vision. Voilà, on voit encore mieux. Alors ce sera plus pour l'extérieur. En vrai, on est pas obligé d'activer la night vision. Ok, bon pour l'instant rien à signaler. On peut peut-être regarder à l'extérieur. Je trouve les caméras extérieures. C'est bon les abonnés, j'ai trouvé la caméra. Wow! Les abonnés, pile au moment où je dis ça, j'ai trouvé la caméra extérieure. Il y a Huggy Wuggy qui arrive. Regardez, il est juste sur ici. La caméra. Je vais activer le mode nocturne, ok. Il est là dans le chemin. Oh, il vient de disparaître. Ok, okay, attendez, il faut que je trouve la caméra. Attendez, je vais aller sur la caméra 6, non, 5, ok, 4, ok. Diabolo, je vais mettre ton fils en sécurité. Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Mets-le en sécurité. Ok, ok. Les abonnés, on s'en fout, hein. Pas de trace de Huggy Wuggy dans la maison. Et les abonnés, c'est vraiment Five Nights at Freddy's, hein. Je vais regarder. Qu'est-ce que je regarde? Est-ce que je regarde la cage d'escalier? Vas-y, cage d'escalier. Passe rien dans la cage d'escalier, juste la lumière encore qui s'éteint, qui se rallume. Ok, on va passer à mon couloir. Let's go. Ok, les abonnés. Ok, il se passe rien pour l'instant. Oh, les abonnés, les abonnés, les abonnés. Le placard. Ok, le placard s'est ouvert. Je me dépêche d'y aller, je me dépêche d'y aller. J'ai fait tomber mon casque, super. Non mais là les abonnés, c'est pas possible ce qui vient de se passer. La porte s'est réouverte alors que je l'avais fermée à clé. Je vais aller checker le plus vite possible. On va aller voir. Attention, 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 attention. Toujours rien. Toujours rien, c'est pas possible les abonnés. Ok, y a rien du tout. Non mais là je suis vraiment très très inquiet les abonnés. On va retourner sur Minecraft, mais je suis vraiment extrêmement inquiet. On va refermer cette porte à clé, c'est pas possible. Regardez, je vous montre, hein. Là, avec la clé, à moins que je retire la clé ou pas les abonnés. Je sais pas, je vais la laisser au cas où. C'est fermé à clé, là on peut pas ouvrir, vraiment on peut pas ouvrir. Là vraiment c'est fermé à clé, on peut rien faire. Les abonnés, je suis de retour. Très 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 inquiétant ce que je viens de voir dans mon couloir. Enfin, on n'a pas vu grand chose en soi, mais ce qui s'est passé dans mon couloir, le fait que la porte se soit ouverte une deuxième fois alors que vous aviez vu, j'avais fermé à clé. Les abonnés, là vraiment, je vous avoue que j'ai le cœur qui bat à 2000. Et vous êtes passé où, monsieur YouTube et tout là? Vous êtes passé où? Ils sont dans ma chambre, enfin. Ok, ok, vas-y, ça marche. Voilà. Monsieur YouTube, viens, viens. Après, t'en fais viens pas pour ton caméras. Fils, il est en sécurité, regarde, il est protégé. Ok, moi je suis assez inquiet, on va checker les caméras. Je vais me remettre sur la caméra 4, c'est celle, je crois, qui est dans le hall, je vais regarder. Ok, c'est bon, je suis celle qui est dans le hall, ok. Pour l'instant, pas de traces de Huggy Wuggy. Bon, les abonnés, en vrai de vrai, c'est très inquiétant ce qui est en train de se passer quand même, hein. Je suis plutôt très, très inquiet. Ouais, on va checker peut-être les caméras, je sais pas, hein. On va checker pas mal de caméras. Bon, les abonnés, je vais checker la caméra numéro 6. Let's go, ok. Diabolo. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? T'as pensé à la chambre de Jérôme?
Là. Oh, y'a Okibuki qui vient de passer devant la caméra. J'étais dans la petite salle. Attends, attends. Il va se diriger dans la chambre de Jérôme. Ok, il est dans la chambre de Jérôme. Ok, ok, ok. Ok, je passe à la caméra. Vas-y, je vais descendre. Mince, c'est la caméra 8. Oh, ok, ok, ok. Je me suis trompé de caméra. Ok, j'ai vu Okibuki. Okibuki est dans la maison. Oh, y'a eu un bruit chez moi. Y'a eu un bruit chez moi. Attendez, il y a un bruit chez moi, il y a un bruit chez moi les abonnés. Ok, attendez, je vais checker la caméra de mon couloir. J'ai failli partir mais en fait faut que je checke d'abord la caméra de mon couloir. Let's go. Ok les abonnés, regardez la poignée. La poignée de la porte au fond à gauche qui est en train de bouger. Oh c'est tellement flippant les abonnés. Oh, je vais checker, je vais aller checker vite fait hein. Je vais aller checker vite fait. Je vais aller checker vite fait les abonnés. Attendez, je reviens. J'entends un bruit, je suis pas fou les abonnés hein. J'ai l'impression que ça vient d'ici. Ok, y'a rien du tout. Ok, bon les abonnés, on va retourner au PC. Ok les abonnés, rien à signaler, je vais quand même remater au cas où. Parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois que je viens dans mon couloir, il se passe plus rien. Je vais rechecker la caméra dans mon couloir. Ok les abonnés. Diablo, peut-être que si tu vas dans ton couloir en marche arrière, tu pourras le voir. Attends, je regarde. Attends, vous voyez ce que je vois les abonnés? Vous voyez ce que je suis en train de voir? Les abonnés, ma porte au fond à droite cette fois-ci, elle s'ouvre. Elle est ouverte. Oh les abonnés, faut que j'aille checker ce qui est en train de se passer. Regardez, elle s'ouvre et se ferme. Oh là là là, les abonnés, j'arrive. Non, les abonnés, abonnez-vous, c'est toujours très important. Regardez les abonnés, en gros, mon setup, il est là, c'est en train de filmer le couloir. Du coup, regardez, si je sors par là, let's go. Nous sommes du coup devant les trois portes. Et là, c'est cette porte-là, voilà, qui s'ouvrait, enfin qui s'est ouverte, qui a fait des trucs bizarres. On va rentrer les abonnés. Ok, let's go. Noir, je vais allumer. Ok les abonnés, juste regarder de l'autre côté de la porte. Ok, y a personne. Ok les abonnés, j'ai l'impression qu'il y a personne. Les abonnés, je suis de retour. Il se passe beaucoup trop de choses paranormales chez moi. En même temps, il y a Huggy Wuggy qui est dans la maison. Clairement, on l'a vu sur les caméras. Là vraiment les abonnés, je suis complètement en stress. Je pense que j'ai pas tardé à arrêter cette vidéo parce que vraiment je suis complètement en stress. Ouais, qu'est-ce qu'il y a, monsieur YouTube? Je vais aller en bas et je vais essayer de croiser Huggy Wuggy. Vas-y, essaye d'y aller. Ok les abonnés. Ok les abonnés, ok je vais checker les caméras. On va se remettre dans la chambre de Jérôme. Les abonnés, je check toujours les caméras. Je pense que j'ai pas tardé à switch aussi sur une de mes caméras de mon appartement. Les abonnés, vraiment j'ai envie d'arrêter la vidéo, je suis en stress total. Mais en même temps, j'ai trop d'adrénaline. Je sais pas, les abonnés, je suis vraiment, c'est un sentiment partagé. Je pense quand même que c'est un peu trop d'adrénaline. Waouh, on va essayer de parler français. C'est un peu trop d'adrénaline d'un coup. J'ai essayé de dire le mot correctement cette fois-ci. Vraiment là c'est un peu trop, genre vraiment. Toi j'ai hâte de faire un épisode 2 mais en même temps cet épisode là j'ai hâte qu'il se termine quand même. Ok bon rien à signaler, on va aller tiens dans checker dans la grotte. Ok on a vu Léo apparaître ici. C'est bon les abonnés, je suis avec la caméra de la grotte. Attendez, il y a monsieur YouTube là-bas. Je vais activer la vision nocturne, comme ça on voit un petit peu mieux. Ok stylé. Qu'est-ce qu'il est en train de faire monsieur YouTube? Il est en train de... on dirait... Oh attends, il y a des tirs. Oh, il y a Okibuki. Okibuki est là. Ok, Okibuki contre monsieur YouTube. Oh peut-être que j'allais les aider. Attendez, Okibuki semble avoir disparu. Monsieur YouTube, tu m'entends? Tu m'entends ou pas monsieur YouTube? Ouais, allo Diabolo, ouais. On a des oreilles. Ouais, il est de retour. Ok. Monsieur YouTube, éloigne-toi. Va dans la maison. Ok. Léo, qu'est-ce qu'il y a Léo? La poupée, elle est plus là. Elle est plus là? Attends, j'arrive. Ok. Je vais descendre voir. La poupée a effectivement disparu les abonnés. Je vais checker simplement sur mes caméras. On va aller directement dans le couloir. Ok, rien à signaler dans le couloir. Je vais aller checker désormais dans les escaliers les abonnés. Les abonnés. Y'a pas plus de time dans les escaliers. Ok. Les abonnés, on va stopper l'épisode là. On va se retrouver pour un épisode 2. Je pense que je vais stopper la vidéo là. Je vais aller juste fermer ma porte en fait les abonnés. Attendez, j'arrive. Les abonnés, je vais peut-être pas avoir le temps de filmer avec mon iPhone. J'arrive deux secondes les abonnés. Les abonnés, j'y suis. Ok. On va rien à signaler. Ok les abonnés, j'ai réussi à filmer avec mon iPhone en fin de compte. Du coup vous avez vu, il y avait absolument rien dans la cage d'escalier. Mais je pense quand même arrêter la vidéo à ce moment là. On va se retrouver très bientôt pour un épisode 2. J'ai vraiment trop hâte pour un épisode 2 les abonnés. Un maximum d'abonnements, un maximum de pouces bleus. Voilà, à 8000 pouces bleus sur cette vidéo. Je sors l'épisode 2 puisqu'on va le commencer peut-être maintenant en vrai. Est-ce qu'on continue l'épisode 2 maintenant ou alors est-ce qu'on essaie de calmer? Genre monsieur YouTube, tu fais des incantations, tu calmes le truc un petit peu. Et comme ça on se retrouvera pour un épisode 2 les abonnés. Je pense qu'on va essayer de calmer le truc là parce que c'est un peu trop de trucs. Là genre en plus je vous avoue les abonnés, il est actuellement 20h13. Je vais manger puis ensuite je vais dormir. J'ai un peu la flemme de me dire qu'il y a Gabigui qui est pas loin ou qu'il se passe des trucs un peu comme ça dans mon appartement. Du coup les abonnés, on va se retrouver très bientôt pour un épisode 2 à 8000 pouces bleus sur cet épisode. Donc je vous compte sur vous pour un maximum de pouces bleus. Bombardez cet épisode de pouces bleus. Le deuxième épisode aura peut-être lieu mercredi s'il y a assez de pouces bleus.
Un grand merci à toutes les personnes qui m'ont aidé à réaliser cette vidéo. Il y avait encore énormément de monde aujourd'hui et ça me fait super plaisir. Il y avait Screamex, il y avait Soka, il y avait Deka, il y avait Booba, oui. Booba n'importe quoi, Com, et aussi Tuluxis. Donc voilà, j'espère qu'on se retrouve mercredi pour l'épisode 2. J'ai hâte et en même temps pas de le faire, mais en même temps je sais que ça peut être vraiment être très très cool. Donc voilà, allez bye tout le monde les potos, je vous aime et à très 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 vite. I'm